pleure. Elle est émue. Ah non, elle pleure. Elle vient d'arriver en Californie, elle vient d'arriver à Los Angeles. Léva est émue parce que voilà, c'est Ellie, on kiffe. C'est trop trop beau. Là, on est à Palos Verdes. Du coup, on loge chez un ami de Levana. Il habite dans une résidence magnifique, trop beau, je vous montrerai, c'est incroyable. On raconte maintenant ou pas pour l'immigration? Ouais, je pense que... ouais. Ok, donc on arrive à l'aéroport, bien évidemment toujours le stress. Même si t'as rien à cacher, t'as toujours peur de l'immigration aux États-Unis. Ça n'a pas loupé, les mecs nous ont posé beaucoup de questions. Et ensuite ils nous ont embarqué dans la petite pièce. Il faut savoir que la petite pièce... c'est l'endroit où t'as pas envie d'aller parce que c'est l'endroit où en fait ils amènent les gens où ils ont des doutes. Ouais, t'as toute la police, sur, quoi. Voilà, sur leur venue. Une à une, on a été interrogé plein de questions. Ça a duré au moins 20 minutes, je pense. Ouais, une 20 minutes chacune, ouais. Hyper long, etc. Plein de questions. J'ai dû montrer mon compte en banque. J'ai dû montrer enfin, plein de trucs, etc. J'étais hyper stressée. Je suis passée, oh, c'était son tour. Et bref, on est passé, mais franchement, hyper, hyper stressant. J'ai jamais répondu à autant de questions de ma life. Elle a été chercher sa valise en premier. Elle m'a attendu quand elle m'a vu, j'avais un chapeau. Quand elle m'a vu, elle a fait Levana. Ouais. En fait, j'étais dans... Donc, du coup, il ne restait plus que nos deux valises, de toutes les valises de l'avion. Et je regardais les escalators chez moi. Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce que je vais voir un chapeau ou pas? Et là, je vois le chapeau. Mais genre vraiment, gros coup de stress. Vraiment, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous restez aussi longtemps? Parce que du coup, on reste... moi, je reste 5 secondes. Marion, c'est quoi? J'ai vu que c'était un serpent, c'est un petit lézard. Je sais pas si on vient. Ah putain, la quiche. J'ai eu peur parce qu'une fois j'ai fait un petit hike et j'ai fait marcher sur des serpents deux fois dans le même hike. Ah ouais? Des tout fins, tu vois. Et du coup j'ai trop peur, putain. Ouais, on reste, je reste 5 semaines et elle reste 2 mois. Donc du coup, ouais. Et ça, pourquoi vous restez aussi longtemps? Est-ce que vous avez de l'argent? Pourquoi repartez pas ensemble? Est-ce que vous comptez travailler ici? Chez qui vous logez? Est-ce que vous êtes en contact avec vos hosts? Est-ce que vous allez travailler pour eux? Bref, plein de questions. Donc voilà, mais bon, on l'a fait. Oh, c'est cool, regarde comment c'est beau, c'est incroyable. Allez, bisous. Faire les petites courses pour la semaine ou les prochains jours. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ah, ça m'avait manqué, Trader Joe's. Trop bien. Faut pas prendre trop de trucs parce qu'on rentrera pas. De quoi? Faut pas prendre trop de trucs, on rentrera pas. Pour le petit déj, que là, tu vois. Petite course de fête. Petit coucher de soleil. C'est trop trop bien. Si vous voyez, mais il y a plein de lapins. Je vais essayer de m'approcher. Ah, oh, il y en a plein. Ah, a... oh, c'est trop chou. Ah, oh, c'est trop chou. Je vais me faire attaquer par un coyote. Je vais voir flou. Petit lapin. Écoutez le bruit des grenouilles. C'est ouf. Premier réveil à Ellie. On va faire un petit déjeuner. Je me suis fait un café. Du vrai bon café. Ça m'a trop manqué. Donc comme je vous ai dit, on habite avec un ami français de Levana et deux autres mecs. Donc en fait, on habite avec trois mecs. On adore. Il y en a un, il est grave qui. Alors là, vous avez le salon. Petite terrasse tout le long. Table, cuisine. Grave bien, la cuisine elle est vraiment trop trop bien. Je vais me faire mon petit breaky breaky. Gros kiff. Ça m'avait trop trop manqué ça. Oh là là. Bah, je commence aussi de lundi. Il fait grave froid, s'abuser. Bon, on est prête pour aller à la salle.
On s'est dit, on habite avec trois mecs sportifs, il faut qu'on keep up. Voilà. Let's go. Je vais vous montrer la salle, elle est trop trop belle. C'est un vrai, vrai labyrinthe ici par contre. Genre pour aller à la piscine, il faut marcher 4 minutes. Pour aller à la gym, c'est de l'autre côté. Pour aller après sur la terrasse, c'est de l'autre côté. C'est hyper grand en fait. C'est à l'autre côté, il faut pas les masques quoi. Non, je pense pas. On a trouvé du premier coup. Je vais vous montrer, c'est trop joli. J'espère qu'il y a personne. Petite fontaine. C'est trop trop bien. Il y a grave des machines et tout. C'est grave chaud. Grand miroir. On kiffe. Petite salle. Donc déjà il y a plein d'haltères, trop bien. Enfin, je vais pas du tout les utiliser, mais on sera. Et petite salle avec télé et tout. Trop trop bien. Non mais regardez, c'est trop bien. Bonjour. La meuf elle a rigolé, je lui dis ma. Je vais. C'est trop bien. Ah, c'est trop stylé. Moi, c'est parti. Let's go. Terminée, j'ai l'air hyper blanche mon truc. Petite séance terminée. Mon objectif de ce séjour, c'est vraiment de retrouver un petit booty, genre plus sympa que ça, parce que bon, voilà, il n'y a plus rien. Levana va m'aider psychologiquement. Voilà. La direction là, piscine. J'ai oublié mes lunettes. C'est brûlant. Let's go, petit. J'accuse. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Je crois que j'ai envie d'habiter là. On est trop trop bien. Par contre, je suis aveugle. Tu veux mes lunettes? Non, t'inquiète. Là, on va cuisiner, on va faire des pâtes. Parce que pourquoi pas, j'ai hyper faim. Par contre, je suis un peu perdue encore. Je sais pas où c'est les casseroles. C'est là. Ça? Et le coloc il a dit que je faisais pas du tout mon âge. Il a dit que je faisais plus jeune. Elle a dit que tu faisais combien? 22. Oh ouais. Et puis c'est ce qu'ils nous ont dit à la piscine aussi, Yann et. Et moi ils m'ont dit 25 et ils ont dit 22. Ouais. Je fais vieille, putain c'est fou. Ouais. Moi je fais. J'aime. Moi je fais vieille quoi. Mais n'importe quoi. Ensuite chez Trader Joe, on a acheté des pâtes. Et de la sauce tomate basilic. Tu sais comme il était chou le vendeur de chez Trader Joe's. Tellement mignon. Les gens sont vraiment gentils. Si j'étais dans la rue, les gens disent bonjour. Alors qu'ils sont sur le trottoir d'en face quoi. En France, personne ne dit bonjour. Bon, aujourd'hui on va à l'aéroport chercher la voiture du coup qu'on va louer. Chercher notre petite Lamborghini. Oh bah oui, évidemment. On a galéré à trouver un truc qui était pas trop trop cher. Franchement, c'était assez galère. Donc voilà, direction l'aéroport. J'espère que ça va bien se passer. Je pense qu'on est un peu en retard. Et ensuite, on va aller bourlinguer. On kiffe. Peace. Ça y est, on a la voiture après 1000 heures d'attente. Du coup, on a pris la voiture chez Avis. Voilà. Petite voiture. Franchement, ça passe. Hein. Elle est grave basse. Ça passe. Attends. Elle est hyper basse. Par contre, j'ai vraiment pas l'habitude. J'ai l'impression de conduire une Ferrari, tu sais. Ouais. Mais bon, voilà. Je vais. On va gérer. Bonjour, Levana. Ouais. She wanna stay for the night, play through the night. She's so fine, or a glow, and she's.
shine like a light. She the one right for me, always bring me back to life. Want a woman, what I need when I do not feel alright. Yeah. On est bien arrivé à Santa Monica. Bon, la conduite ça a été. Je vais en mettre un petit peu dans le bain. C'est un peu bizarre et tout, tu vois. Mais trop happy. Putain, mais à Santa Monica quoi. Il y a plein de boutiques qui ont changé là. J'arrive pas à réaliser, ouais, de ouf. Le premier arrêt. Quoi? Ah, moi je veux un Starbucks. On prend un Starbucks d'abord alors? Ouais. Trop bien. Direction le backyard bowl. Ah, je suis trop excitée, genre c'est les meilleurs toasts à l'avocat. Ils font des bowls, des acai bowls, mais ça je pense pas que j'en prendrai. Je pense que je prendrai juste un toast à l'avocat. J'ai trop hâte. Donc là on rejoint Luna. Ensuite Levana, elle va pas rester longtemps, elle va partir se préparer et chercher son copain à l'aéroport. Et ce soir on dîne tous ensemble. J'ai trop hâte de rencontrer son mec. Je vais le mettre mal à l'aise. Oh non. Je rigole. J'ai plus de batterie sur ma caméra, génial, bisous. Grave, j'adore. Arrête, c'est ma gueule. Bon là du coup je suis à The Globe, on est à manger le petit toast à l'avocat, genre trop bon chez Bacard, c'est trop bien. Là je suis avec ma copine Luna. Coucou. Et là on est à De Gaulle, genre c'est trop beau, ça fait trop plaisir de revenir ici. C'est trop bien. Hello les gars, on est le lendemain. Hier c'était trop cool, du coup comme vous avez vu, j'ai passé la journée avec ma copine Luna. Donc on a fait Bacard Bowl, toast à l'avocat, incroyable. Ensuite on a fait The Grove. Après on allait chez elle, enfin à son hôtel. Et ensuite on allait à une petite soirée. Bon, j'ai pas filmé, je suis désolée. Mais on a fait une soirée trop cool chez des gens hyper sympas. C'était genre une meuf qui a lancé son nouveau single. Du coup donc elle a fait une soirée avec que des gens dans la musique qui étaient là. Enfin, genre trop bien. Peut-être que du coup je vais les revoir ce soir, je sais pas trop. Et ensuite j'ai rejoint Levana avec son mec qui vient d'arriver, enfin qui est arrivé hier. Je les ai rejoints du coup pour manger à Cheesecake Factory. Sauf que là je me suis sentie trop malade, horrible. J'avais genre trop envie de vomir, etc. Enfin, c'était vraiment affreux. Et du coup, après, on est rentré. Enfin, voilà, c'était un peu carnage. La fin de soirée, j'étais vraiment très malade. Et sur Beverly Hills, chercher le mec de Levana. Et ensuite, on va à Earth Café. Trop refaite. Le pauvre, du coup, hier, je l'ai vu pour la première fois, son mec. Au début, j'étais grave dans un boom mood et tout, tac. Et après, les gars, j'ai envie de vomir. Horrible. Du coup, je leur ai ruiné leur soirée en amoureux. C'est pas vrai. Elle a dû me ramener jusqu'à Palos Verdes alors qu'elle devait dormir chez son mec. Enfin, j'étais grave triste pour eux. Mais heureusement, je me dis ça va, donc je vais pouvoir me rattraper. Oh mon dieu. Oh, le meilleur smoothie du monde entier. Regardez les pancakes de Levana. Oh là là, no pancakes. J'adore. Bon, là du coup on va sur Melrose faire un petit tour du coup dans les magasins. On allait au Beverly Center juste avant. Et là on va à Melrose, je suis trop contente. Faire un petit peu les boutiques. Let's go. If you don't wanna, you don't have to go. She feel good like a classic girl. She a beauty in the natural. You don't wanna, you don't have to go. She feel good like a classic girl. She a beauty in the natural. She look good like a classic girl. She stay on my mind every single day, yeah. She keep me focused, got a lot on my plate, yeah. If I'm lost in my head, baby, save me. I know it can be a lot, just don't break me. Cause you're the only one who can fix me. You'll be the only part of me.
on vient d'entrer du restaurant avec Levana. Et moi, je suis très excitée. J'ai pas envie de dormir. Je suis genre... Alors qu'hier, j'étais malade. Donc, trop bien. J'ai envie de profiter. Et l'autre, elle dort. On n'est pas du tout connectés, quoi. Bon, du coup, j'ai une idée. Si j'arrive à aller jusqu'au bout sans faire tomber Titi, on descend. Ok? Oui ou non? Ah bah, c'est bien parti. Hein, pour oui moi. Ou non? Oh là là. Tu prends le risque? Si jamais je réussis, t'envoies un DM. Ok. Oui? Vas-y, sérieux? Ok, tu vas dire quoi? Je sais pas, j'ai montré un truc. C'est une vitesse! La gueule à Titi, il est pas content là. Trop tard, allez hop! C'est une. Parce que on est en train du resto, moi je me suis dit peut-être qu'il y aura voilà. Voilà. Je vais dire le prénom, tu vois. Peut-être qu'il sera là et tout quoi. Mais il était pas là. Genre on est rentré. Moi genre je me suis mis du rouge à lèvres dans la voiture. Non mais. C'est une blague. Pourquoi je suis trop maquille? Bref, et on arrive, pas de lumière et tout. Personne à la maison. Mais je sais pas, je l'ai même pas sur. Je l'ai pas. Tu dis genre oui, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Est-ce que vous rentrez et tout? Pourquoi je murmure? Fais-le au bout de ta life. Mais bah écoute, hein. Bon, je t'ai envoyé, le pari est terminé. Je peux désormais dormir. Mais attends, faut quand même comme ça je t'y réponde. Ah, mais si elle répond pas, ce n'est pas mon problème. En plus, ça va être dans ses demandes. Alors, si elle n'a pas beaucoup son Insta, on est dans le baba. On est dans le baba en Rome. Hein. Bon, allez, on vous tient au courant en bise. J'allais dire à Levana, ouais, je vais me démaquiller. Et voilà pas que. Bon, je sais pas comment on pourrait l'appeler entre nous. Bon, voilà pas que l'autre. Il lui répond au DM, ouais, j'arrive. Genre, il est à la maison et tout, quoi. Et moi, j'allais me démaquiller. Non, mais. Je vais mettre un push-up, je reviens. Je rigole, t'imagines. Et voilà, elle réagit même plus à ce que je dis, c'est elle est au bout de sa vie quoi. Je réponds, hein. Je dis ah, faut pas, je sais pas quoi dire. Bon, je suis en train d'éditer ma vidéo. Et du coup, ça me fait trop rire ce passage. Donc, là, pour la petite update, Levana, du coup, elle s'est endormie. Moi, je suis descendue dans le salon et il est rentré, on a discuté pendant genre au moins, je sais pas, une demi-heure, je pense. Et disons qu'au vu de la conversation, j'ai bien fait de rester éveillée. Hello, on est en plein Beverly Hills. On s'est garé petit chips. Si jamais vous venez en plein Beverly Hills, vous vous garez au Montage Hotel. Enfin maintenant ça s'appelle le Mayborn, mais bon, bref. Il y a 2 heures de parking gratuit. Moi je me garais tout le temps là-bas. C'est trop bien, petit chips. Et là on va à Pain Quotidien, en bonne française. Exactement, avec moi perso. C'est trop bien. Hyper bon. Et on rejoint Ophélie, ma copine Ophélie qui était également au pair à LA. Donc ça fait 1000 ans que je l'ai pas vue. Maintenant elle habite ici. Elle est à l'achat immobilier, donc trop bien. Mon chéri. Ouais, regardez qui c'est que j'ai trouvé. Ophélie, trop contente. Ah mais regardez Ophélie, voilà. Si vous cherchez un agent, vous cherchez une maison, vous contactez Ophélie. C'est trop stylé. Elle était trop belle en plus dessus. Sur la voiture. Trop stylé. Just leave me alone, I can't escape the way you
shout out to my brother Nicole, ayy. I got two damn phones, call me Kevin Gates. Get these bands, lock them up, put them in a rave. Don't need no safe, we get all our feelings changed. Don't feel the same, no, I don't wanna feel this way. C'est trop, trop beau ici, j'aime trop. Arrête, elle se fout ma gueule. Là, Ophélie, elle va repartir. Nous, on va aller bourlinguer, je sais pas trop où. Ouais. Et pas trop partir trop loin, peut-être, parce que après. Ouais. À voir du coup ce qu'on va faire. Bon, les gars, je suis à Brentwood. C'est là où j'habitais quand j'étais au pair. J'habitais juste là. J'habitais ici. C'est trop, trop bizarre d'être là. Ça fait trop, trop chelou. Putain. Oh. Genre je passais par la petite porte qu'il y a là-bas, je pourrais aller dans ma chambre directement et tout. Oh là là. Oh, trop de sentiments. Je suis en train de montrer à Levana genre le hike que je faisais à Brentwood, où il y a le Brown James qui habite, etc. Et c'est juste ici que je m'étais fait courser par un coyote et une biche. Un truc improbable. Et je monte cette rue, genre elle est trop trop belle. Et je vais montrer la maison que Justin Bieber il avait visitée. Quand on était à New York, quand les photos elles sont sorties, c'est là. Oh. Mais je vois, ça va être mon voisin et tout, mais il l'a pas acheté. Il a visité ça. Oh. Hyper belle de derrière, il y a une piscine de ouf et tout, c'est incroyable. Il l'avait visité. Ouais. Mais il l'a pas acheté. Donc, on va s'arrêter après. Il y a un petit banc avec une vue. Voilà, donc arrivé environ là pendant mon hike. Après, je faisais un petit break ici. C'est vraiment vraiment un quartier que j'adore, j'aime trop. C'est magnifique, ça fait trop trop bizarre d'être là. Ça fait trop bizarre. Pleurer, non je rigole. Mais ça fait trop bizarre, trop d'émotions. Oh là là. J'adore. J'aurais dû filmer la vie d'avant. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la rue du coup en redescendant. Il y a vraiment des très très belles maisons, c'est canon. Je sais pas si on le voit un peu. Là, ça a la belle vue. Ouais, de ouf. Je suis désolée, je filme comme une merde. Et il y a l'océan là-bas, mais bon, je sais pas si on va voir. Je vais essayer de vous montrer la maison de LeBron James, mais vu qu'il y a beaucoup de sécurité devant, c'est un petit peu chaud. Toujours ça, j'ai jamais vlogué et tout, alors que c'est trop bien en vrai. Donc là, Justin Bieber. Enfin, entre guillemets. Là, le coyote. Vous voyez le petit bout de la maison blanche là? Ça, c'est une partie de la maison de LeBron James. Et une fois, je l'ai vu devant, mais genre vraiment pas longtemps quoi. Voilà, c'est tout là. Et là, il est très grand. C'est tout là et c'est juste à gauche où il y a la voiture blanche. Genre juste à gauche. Tous les mecs de le mec me déteste. Ah ouais. Ah, t'as vu? Ouais, ils sont sur leur téléphone, c'est. Ouais, bah, faut-tu qu'ils fassent quoi? Regardez les maisons, comme elles sont trop belles, quoi. Voilà, et je fais tout ça à pied. C'est trop bien. Elle est trop, trop belle. Genre les fleurs et tout. Oh, mais c'est trop, trop beau. Magnifique. Par contre, ça aurait craché d'avoir un stop sur mon. Ouais. Voilà, voilà. Ça, c'est beau. Celle-ci, elle est ouf. Attends, celle-ci elle est ouf aussi. L'entrée elle est genre immense. Mais on voit pas très bien là quoi. Enfin, j'ai oublié la route. Bon, allez, j'arrête parce que je vous conduis comme une merde. Working on a job offer for a guy who's one of the guys who's like 20 more years of experience than I do. Bon, j'ai oublié de faire une petite vidéo de fin. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, un petit commentaire et à me suivre également du coup sur Insta pour voir toutes mes stories et suivre mes aventures. Allez, bisous!